Donc, bonjour, je me présente pour Eric, on ne s'est jamais rencontré. Manon Sayer, je travaille pour HEI Alumni en tant que chargée de communication et projet. Donc, je suis en charge de l'animation des apéros at home qu'on a lancés depuis le confinement. Donc, ce soir, les apéros at home, c'est un concept qu'on a lancé, du coup, je disais, pendant le confinement. Le but, c'est de discuter avec un diplômé d'un sujet, soit d'une passion, un hobby. On avait commencé comme ça. Et après, des thématiques un petit peu plus spécifiques, comme ce soir avec Jérémy, qui nous parle plutôt de son parcours plutôt que d'une passion. Et puis, du coup, on va pouvoir trinquer tous ensemble. J'espère que vous avez vos verres, parce que c'est un apéro at home. Donc, le but, c'est que vraiment que ce soit informel et qu'on échange tous ensemble. Ah, bah, parfait. Le verre d'eau, ça marche aussi. Il fait chaud. Et donc voilà, Jérémy, je vais te laisser la main, je vais te laisser te présenter. Et puis. Ouais, et Eric, peut-être, comme on est vraiment en tout petit comité, je te propose de te laisser te présenter et peut-être en deux mots ce qui t'a motivé à te connecter à l'apéro Atome, et puis comme ça on peut échanger rapidement. Je ne sais pas si d'autres vont venir, mais voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à l'idée de venir partager aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends un peu de l'échange finalement? Et puis en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Bah écoute, c'est le sujet qui m'a un peu intrigué. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit. Moi, D'accord. je suis consultant indépendant depuis 6 ans, là, maintenant. D'accord. Dans quel domaine du coup? Dans l'automobile spécialisée sur la Russie. Ok, très spécifique. D'accord, oui. Et je suis d'ailleurs en Russie. D'accord, Ah. ok, ça marche. Il y a un Et on décalage horaire passe avec la un. Russie? Une heure seulement. D'accord. Je suis à l'heure de Moscou. Je ne suis pas à Moscou, mais je suis à l'heure de Moscou. Ok. Et Intéressant. aujourd'hui, c'est férié parce qu'on fête la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a, dont le, les festivités du 9 mai ont été annulées et reportées aujourd'hui. Ok, ça marche. Et du coup, HEI, quel promo? Oula, 84. Marche. Oh, bah, que quelques années avant moi. Hein. Moi, c'est HEI 2012. Oui, ben tu verras, ça passe vite. Hein. Et avant d'être consultant dans l'automobile, du coup, t'es. J'ai fait quasiment toute ma carrière dans l'automobile. Juste avant, j'avais passé 15 ans chez un équipementier automobile allemand. D'accord. Ok. Et la période n'est pas trop compliquée là pour l'automobile? Ben, si, assez compliqué ici aussi. Bon, là, je suis pas super occupé, hein, mais bon, ça va. Parce que Je vis un t'es peu de chose en Russie à régulière. temps plein? Non, j'y vais régulièrement. Simplement, je fais l'aller-retour. Mais là, j'ai préféré venir ici. Je suis ici depuis le confinement en France, en fait, depuis début D'accord. mars. Ok. Et finalement, cette situation, ça m'arrange parce que je fais plein de choses que j'aurais pas fait autrement. Je suis pas mal de webinaires sur pas mal de sujets. Alors qu'auparavant, c'était uniquement des réunions physiques et puis je ne pouvais pas forcément y aller. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Écoute, je peux me présenter rapidement et puis te donner aussi. J'avais prévu de parler de mon parcours brièvement, notamment pour expliquer pourquoi essayer de construire un modèle d'organisation du travail et une entreprise différemment avant de parler du comment. Parce que c'est toujours intéressant de savoir un peu d'où viennent les aspirations premières de ce type de démarche. Donc moi, j'ai fini mes études en 2012. J'ai travaillé 3 ans dans le conseil en ingénierie. Donc dans une société qui travaille aussi dans le monde de l'automobile, même si j'étais plutôt spécialisé dans le domaine industrie et énergie, une structure qui s'appelle AGAP2, je ne sais pas si ça te parle, Altran est plus connu dans ce secteur-là. Et donc j'ai travaillé 3 ans dans cette société, sachant que très rapidement, je savais que je n'allais pas y rester, parce que une activité uniquement pilotée par la croissance économique. Et le driver et la mission de l'entreprise était croître pour gagner plus d'argent. Et moi, à titre personnel, ce n'est pas un driver. Et surtout, Et surtout que dans notre dans notre société société, actuelle,
il y a des enjeux qui sont, à mon sens, beaucoup plus importants que ça. J'ai toujours été attiré dans mon parcours. C'est aussi pour ça que j'ai fait HEI, m'orienter dans le développement durable. Bon, il s'est trouvé que pendant les études, il y a eu le moratoire sur les énergies renouvelables. Donc, j'ai un peu réorienté. Et à la fin, du coup, de ces 3 années d'expérience professionnelle dans le conseil en ingénierie, j'ai souhaité entreprendre. Et donc, je me suis lancé dans cette belle aventure entrepreneuriat, guidé par l'envie d'apporter quelque chose de positif dans la société, d'avoir un impact social positif. Et je me suis assez vite passionné sur les dynamiques de fonctionnement du travail et de son organisation. Autour de moi, pas mal de gens qui avaient déjà quitté leur entreprise une ou deux fois, voire même 3 fois, avant les cinq premières années d'expérience professionnelle. Ça m'a pas mal questionné, j'en faisais partie. Et puis en partant et en me lançant dans le monde entrepreneurial, j'ai découvert plein d'autres horizons, plein d'autres modes de fonctionnement et je m'y suis passionné, voilà, un peu par hasard. Bon, pas totalement par hasard puisque j'ai épousé une psychologue du travail. Donc forcément, des sujets de dialogue et d'échange qui m'ont fait pas mal réfléchir. Et puis un an après avoir quitté le monde classique et avoir tenté une expérience entrepreneuriale dans le domaine du fromage, donc qui n'avait rien à voir, j'ai rencontré mes deux associés actuels qui sont deux chefs d'entreprise de la région lyonnaise, qui n'ont pas majorité opérationnelle quotidien, ils ont gardé leur entreprise, mais avec qui on a partagé un certain nombre de valeurs et une vision commune sur l'évolution du travail et notamment un constat que le modèle très pyramidal qui a fait le succès des entreprises d'hier arrivait à bout de souffle. Il est arrivé à bout de souffle parce que déjà, il y a un désengagement assez fort, des difficultés d'attirer les talents, la difficulté de les engager. Et donc, on a vraiment partagé ce constat-là. Et les années qui ont suivi, parce que ça fait maintenant 5 ans, m'ont énormément apporté et nourri, notamment sur tout ce qui est dynamique de transformation digitale, transformation écologique, sociétale. Et certes, le modèle d'organisation qui a fait succès des entreprises d'hier est en train d'arriver à bout de souffle parce qu'il ne répond pas aux attentes des gens, mais il ne répondra pas non plus aux enjeux de la société d'un sens global, des enjeux de mutation très rapide qu'entraîne le digital et aussi la dimension écologique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aussi de construire FlexJob de manière un peu différente. Beaucoup éclairé aussi par un ouvrage qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Bouquin, je ne sais pas si tu connais Eric ou Manon, mais qui est vraiment un livre must read. Si cet été vous ne saviez pas quoi lire, et ben vraiment je le recommande. C'est un bouquin qui a fait pas mal réagir, qui a créé beaucoup d'histoires un peu comme FlexJob. Hein. Et moi, je suis content de l'avoir lu au début de l'aventure de FlexJob parce que je connais pas mal d'entreprises qu'on a aussi accompagnées, parce que je vous raconterai le métier de FlexJob, mais qui étaient des entreprises de taille beaucoup plus importante qui ont tenté ce virage et cette transformation vers des modèles d'organisation beaucoup moins verticaux, hein, donc beaucoup plus d'horizontalité et plus proche d'un organisme vivant que d'une organisation figée. Et c'est pas évident. Voilà. C'est clairement pas évident. Et donc, c'est plus facile de construire cette entreprise dès le départ sur ce paradigme que de transformer son entreprise. En lisant ce livre, je me suis dit, ok, c'est un peu la lumière, cette mission de faciliter et d'accompagner l'émergence de ces nouvelles façons de travailler, que j'aime résumer en 3 mots. L'entreprise pyramidale pourrait se résumer en commandement, exécution, reporting. J'aime bien imaginer l'entreprise de demain avec l'autonomie, la responsabilisation et la coopération comme les 3 drivers clés, les 3 piliers clés qui tiennent la maison de la performance durable de l'entreprise. Donc concrètement, comment ça se matérialise chez FlexJob, les points marquants. Aujourd'hui, on est un collectif de 10 personnes. On fonctionne en gouvernance partagée. Donc, on est un modèle d'entreprise commerciale hein, en fonctionnement SAS. Avec une ouverture au capital pour les collaborateurs sous forme de BSPCE. C'est un mécanisme qui permet d'ouvrir le capital aux collaborateurs. Et au-delà de l'ouverture du capital, on a vraiment créé une gouvernance partagée avec des fonctionnements de prise de décision par sollicitation d'avis. C'est-à-dire que chacun peut prendre des décisions dans son périmètre d'action pourvu qu'il ait sollicité des avis des personnes qui vont être concernées par la décision ou des personnes qui pourraient éclairer leurs décisions. Voilà. Tout le monde peut prendre des décisions pourvu qu'il y ait justement eu ces sollicitations.
ce qui fait que ça rend très responsable et très autonome. Et c'est quelque chose que l'on souhaite vraiment développer dans notre modèle de fonctionnement, avec des instances et des fonctionnements de régulation collectif. On a des temps dédiés pour parler justement de notre fonctionnement, de prendre de la hauteur sur ce que ça nous fait vivre. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental et surtout qui guide aussi le recrutement. Quand on recrute des nouvelles personnes, on est très vigilant justement dans notre process de recrutement. Ça, c'est un autre point clé dans comment est-ce que on a choisi de construire, et je dis « on » parce que je ne suis pas le seul ouvrier de la construction de FlexJob. On est bien 10 à co-construire notre modèle de fonctionnement et à le faire évoluer. Et donc, la dynamique de recrutement est fondamentale pour intégrer aussi des personnes qui adhèrent à ce mode de fonctionnement, qui adhèrent à cette autonomie, cette responsabilisation dans un environnement très collaboratif. On essaie de fonctionner le moins en silo possible, alors ce qui pose aussi parfois des problématiques différentes, hein. Parfois des problématiques d'efficacité parce que le collectif prend du temps. Et du coup, on a aussi des sujets qui sont obligatoirement traités en collectif et des sujets qui peuvent justement être traités plus dans le processus de gouvernance par sollicitation d'avis. Et donc, on a 3-4 réunions par an qu'on pourrait appeler séminaire où on prend de la distance par rapport à notre quotidien pour se questionner là-dessus. Et pour compléter sur la partie recrutement, on a été assez loin dans le parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs. Donc le processus de sélection est assez sélectif. Et ensuite, il y a vraiment un parcours pendant 3-4 mois avec un système de parrain, de buddy en interne, assez challengeant aussi pour que la personne elle puisse aussi voir si c'est quelque chose qui lui correspond et que le collectif et l'entreprise puissent voir aussi si la personne se fait à ce modèle de fonctionnement, au-delà même du métier, qui est clairement aussi un point de sélection. Comment est-ce qu'on construit notre modèle de fonctionnement? On l'articule aussi autour d'un modèle d'opération, on pourrait dire innovant, mais ça pourrait paraître présomptueux, où il y a une auto-évaluation et une auto-décision de son salaire. Donc on a des comités où toute l'entreprise est présente et chacun décide de son augmentation. Voilà. Ça peut paraître assez fou, mais ça marche. C'est un modèle qui est vivant, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui à 10 personnes, on ne fera pas le même modèle quand on sera 30, puisque on a la volonté d'être une trentaine de collaborateurs d'ici 2025. Donc évidemment, avec le nombre de collaborateurs qui vont rejoindre les équipes, on va évoluer. Néanmoins, on a construit notre socle commun, à la fois de valeur et à la fois ce sur quoi on souhaite que la rémunération agisse. La rémunération, je pense que Eric, vous l'avez dû vivre dans vos différentes expériences, c'est une allèle de l'ADN très forte d'une entreprise. Elle impulse un certain nombre de comportements. Et donc, nous, on est parti des comportements qu'on voulait et qu'on souhaite chez FlexJob pour construire le modèle de rémunération. Et notamment construire ce modèle autogéré où chacun a conscience, et il y a la transparence associée, a conscience des enjeux de l'entreprise, a aussi transparence des chiffres de FlexJob, que ce soit les comptes de résultats, que ce soit la trésorerie, que ce soit l'excédent brut d'exploitation, les résultats opérationnels, qui sont bien évidemment expliqués. On a tous les mois une réunion financière avec une explication de l'ensemble des chiffres, les tendances. Et donc ça permet d'apporter aussi la compétence nécessaire pour pouvoir se positionner. Parce que c'est un vrai métier aussi hein, de décrypter ces chiffres-là. Donc ça, c'est un modèle qui est vivant et qui avance. On a rédigé un livre blanc, si ça t'intéresse, Eric ou Manon, sur notre modèle de rémunération. Pour le construire, on a mené une démarche dite participative qui, pour moi, est sous-jacente d'un modèle de gouvernance partagée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un projet, typiquement un projet de rémunération, là, à l'automne, on va ouvrir un projet autour des congés, et bien, on crée un projet participatif, on crée un projet, un groupe projet, où souvent d'ailleurs les membres du groupe projet sont élus par les pairs sans candidat. C'est-à-dire que typiquement sur la rémunération, je ne faisais pas partie du groupe de projet et il y a 4 personnes qui ont été sélectionnées par les 10 pour en faire partie, et ce qui donne aussi une crédibilité et une légitimité dans ce groupe projet. Et donc, la première étape du groupe projet rémunération, ça a été d'aller benchmarker, d'aller s'inspirer
d'entreprises qui fonctionnent comme nous, en tout cas qui souhaitent s'inscrire sur des fonctionnements comme le nôtre. Et il y en a quand même pas mal quand on cherche un peu. C'est certes pas les entreprises les plus courantes, mais en tout cas, il y en a quand même pas mal. Et toutes les autres qui souhaiteraient se construire de cette manière-là, on souhaite impulser ça sans faire des copier-coller, mais en tout cas, c'est difficile de se projeter dans des modèles de rémunération différentes si on ne s'inspire pas. Donc, ça a été vraiment notre choix de faire ça. Et sur notre modèle de fonctionnement, on est assez libre sur les horaires, sur le télétravail. On parle régulièrement de ces questions-là aussi pour s'autoréguler. On est vraiment sur un fonctionnement d'autogestion. Voilà, j'ai balayé pas mal d'éléments que l'on conduit. Les métiers de flex job, j'en ai pas parlé parce que je pense que je sais pas si c'est l'objet du jour, mais en tout cas, voilà, les grands métiers de flex job, c'est d'accompagner et de faciliter ces nouvelles façons de travailler. Donc, on est très présent sur le déploiement du télétravail, déploiement d'horaires flexibles dans les entreprises, avec des modules de co-construction et de formation. On forme des managers, on forme des collaborateurs avec des formations très orientées sur l'action. On a toute une activité autour des espaces de travail et des environnements de travail, comment on en fait un levier de transformation. Là, il y a des enjeux très forts sur notamment post-Covid, parce que quand une entreprise elle a 70% de ses collaborateurs en télétravail, tous les espaces sont vides. Quand on connaît le coût de l'immobilier, il y a des vrais enjeux. Et enfin, une grosse partie de notre activité qui sont dédiées à des transformations globales, toujours par un axe très participatif. Les entreprises viennent nous chercher parce qu'elles souhaitent conduire ces projets-là avec les parties prenantes, collaborateurs, managers, dirigeants, parfois même clients, parfois même partenaires selon les modèles. Et donc, nous, FlexJob, on vient créer les conditions de l'émergence de ces nouvelles façons de travailler et de ces nouveaux modèles d'organisation. Je ne sais pas si je t'ai perdu, Eric ou Manon. Comme je n'ai pas la vidéo, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Ça va, si c'est un grand monologue. J'entends, mais pas. Eric, te rendre la parole si tu as des... Non, je dis j'entends, mais parfois la vidéo est figée. Là. Je ne sais pas si c'est moi. Enfin, Manon, toi, c'est toujours bien, là, a priori, mais Jérémy, là, par moment, c'est figé. Est-ce que tu as le son ou c'est que l'image? Parfois, le son est haché aussi. Ah mince. Mais du coup, ça t'a permis quand même de décrypter, de comprendre ou... Oui, non, ça va quand même. Il y avait quoi, 95% d'intelligible. Ça marche. Est-ce que tu as des questions du coup, Eric, peut-être ou... Bah, écoute, non, pas spécialement. Tu as des réactions, des questions, Eric? Là, tu vois, là, j'ai compris la moitié. Là. Oh. Ah, j'ai pas répondu. Il a demandé si. Qu'est-ce que ça te fait réagir? Est-ce que tu as des réactions ou des questions par rapport à ce qu'il a expliqué? Ben écoute, j'ai un peu du mal de voir honnêtement comment ça peut s'organiser, s'intégrer dans une entreprise où il y a une activité industrielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une grosse partie de nos clients sont des industriels. Oui. Oui, franchement, j'ai du mal de voir comment ça peut s'intégrer par rapport à ce que je connais, j'ai connu. Bien sûr. Après, ce que je t'ai présenté, c'est vraiment nous, FlexJob, notre construction interne. Hein. Il est évident que ce qu'on impulse chez nos clients ne va jamais aussi loin. Je partage, hein, et puis chaque entreprise est différente, donc chaque entreprise doit construire son propre modèle. Mais j'aurais pu, moi aussi, et mes premières réactions au départ étaient de se dire, en fait, c'est beaucoup plus facile dans le monde du service que dans l'industrie. Ben oui. En fait, la plupart des exemples… C'est comme le téléphone. Oui, tout à fait. Bah, c'est sûr, quand on a besoin d'être sur sa ligne de prod, c'est évident. Moi, j'ai été agréablement surpris de à quel point certains industriels étaient beaucoup plus avancés que certaines entreprises de service. Je peux te citer notamment le groupe Bongrain avec les chocolats Weiss ou les chocolats Valrhona, hein, sont des entreprises purement industrielles qui ont là, j'entends pris des plans de
transformation très ambitieux, notamment pour réduire la pyramide hiérarchique. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu nous entends? Ouais, ouais, là, moi, je vous entends. Ah, c'est bon. Là, c'est bon, on t'entend mieux, mais après, chocolat, on ne t'entendait plus. Ah oui, toi aussi, Manon, tu ne t'entends plus. D'accord. Je suis désolé, je suis en partage de connexion, du coup, ça saute. Je disais, Eric, moi, on travaille avec pas mal d'industriels et je citais Valrhona, les Chocolat Days, Gore, Decathlon, qui ont entrepris des plans ambitieux de transformation, notamment portés souvent par des dirigeants qui souhaitaient construire des nouveaux modèles de fonctionnement. Et la plupart des exemples aujourd'hui sont quand même plutôt industriels. Et je pense que ça vient aussi du fait que il y a une dynamique de projection long terme qu'un industriel a plus facilement qu'une entreprise de service et des enjeux d'engagement à tous les niveaux qui sont pour moi aussi très importants et du coup nous on a plein d'exemples à la fois de clients et de partenaires purement industriels qui mènent des projets justement de transformation managériale, de transformation culturelle pour avoir beaucoup plus d'autogestion. Je pense que les équipes autogérées dans les années 80-90, c'était beaucoup dans le monde industriel. Et avec des belles success stories, avec des belles histoires et surtout à la fois des résultats financiers et des niveaux de turnover qui diminuent dans les équipes, qui sont des clés de lecture de ce type de transformation. Et je vais te donner je ne sais pas si tu m'entends, Eric, j'ai un exemple assez marquant sur la question du télétravail. On a pas mal travaillé avec les services industriels de Genève. Donc, leur métier, c'est l'équivalent de Veolia, de GRDF, de EDF en France. Hein. Donc, c'est tout ce qui est eau, gaz, électricité, déchets pour le canton de Genève. Donc, c'est 1500 personnes. Et ils ont initié un projet qu'ils ont appelé le projet Équilibre, avec beaucoup de télétravail et de flexibilité dans le travail. Et on pourrait se dire, ben ouais, mais ils ont des personnes qui sont sur les chantiers tous les jours, qui creusent des tranchées parce qu'ils doivent faire de la VAD et réparer des canalisations. Et en fait, ils ont appliqué également le projet Équilibre pour ces métiers-là. Et le petit exemple marrant, c'est que bah, typiquement, désormais, les équipes, elles prennent le poste à domicile. Et donc, elles n'ont plus besoin de repartir sur l'atelier pour prendre le camion, prendre les outils et repartir sur le poste pour dire, bah, ça y est, on est passé à l'atelier, on peut partir sur chantier. Et ils ont mis en place un système d'outils et surtout la confiance associée de la prise de poste directement depuis chez les personnes. Et des exemples comme ça, il y en a pas mal. Ils ne tracent pas les véhicules par GPS ? Non, pas à ma connaissance. Ah oui, peut-être qu'ils le font, mais en tout cas, ils ne le présentent pas comme tel. Il y a un paradigme. Comment ? Non, je dis, je reste un peu sceptique quand même. Parce que quand, bah, je vois comment ça se passe, quand je vois la mentalité des gens et tout. Je partage, hein, Eric, on le voit, et puis régulièrement, on a pas mal de personnes qui nous remontent ça. Ce qui est certain, c'est que le paradigme est très différent selon les modèles d'organisation. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de faire confiance que de contrôler. Et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui sont plutôt dans des dynamiques de command and control que de confiance parce que bah, c'est plus facile. Humainement, c'est plus facile de contrôler que de faire confiance, je crois. Et pourtant, on n'en retire pas des meilleurs fruits. Ah, je pense qu'il y a aussi une question de conviction derrière. Et la plupart des dirigeants que moi, je suis amené à rencontrer sur ces questions, il y a une question de conviction personnelle. De volonté de vouloir faire confiance plutôt que de contrôler et en se disant finalement les tirs au flanc et ceux qui de toute façon transgressent le système quelle que soit la manière dont il est construit, qu'on soit dans un paradigme de confiance ou de contrôle, ils essaient de contourner. Donc à la limite, bon, ben, faisons avec et essayons de construire une organisation pour les 70 ou 80% de ceux qui ont envie de ça et pour s'investir. Bon, je suis surpris qu'on soit trois là quand même. Moi aussi, je suis surprise. Ah ouais, je suis un peu déçu. Parce que,
ne serait-ce que pour s'informer, c'est un peu mon cas, hein, ce n'est pas mon sujet de prédilection, mais j'essaie de m'intéresser à beaucoup de choses parce que ça permet de faire, oui, de faire réfléchir et puis de voir un peu quelles sont les orientations qui se dessinent. Alors quand même, alors en tout cas, merci d'être là, Eric. Hein, le plus loin est. Oui, mais sinon, sinon vous auriez dû annuler. L'appel des terrasses a dû parler en France. Oui, bah, il fait chaud aussi, si bien qu'on ait eu un peu de pluie aujourd'hui. Bon. Il fait moins chaud qu'à Paris. J'avoue que c'est un peu, je suis un peu surpris du coup qu'effectivement qu'on soit deux, mais bon après. Ça m'étonne aussi parce qu'en plus on avait quand même 8 inscrits et généralement on n'a pas autant de pertes quoi. Enfin, la semaine dernière il y avait 2 inscrits, les deux sont venus donc ça m'étonne. Mais 8 inscrits c'est pas beaucoup. Non mais après c'est volontaire aussi de notre part qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes pour que les échanges, pour qu'il y ait beaucoup d'échanges et que ce soit un moment convivial et vraiment d'échange. Et que tout le monde puisse discuter et avoir les réponses à ses questions. Donc, on limite à 15 personnes maximum. Donc, 8, c'était bien. Oui. Mais ça m'étonne vraiment que personne ne se soit connecté. Enfin, qu'il y ait que... Mais bon, on aurait pu. Enfin, moi, j'aurais pensé que 15 auraient été atteints assez rapidement, quelque part. Après, il y a peut-être un autre sujet, c'est que moi, j'ai déjà fait pas mal de webinaires avec HEI. Et du coup, je pense que ceux qui auraient pu peut-être se connecter se sont dit bah, je le connais déjà, Jérémy, je sais qu'est-ce qu'il va me dire. Oui, mais donc, là, tu vois, ça touche d'autres gens comme moi, par exemple, qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Ouais, tout à fait. Mmh. Bon, tu leur enverras la vidéo, Manon. Oui, voilà. Ils auront loupé, tant pis. La vidéo hachée. La vidéo hachée, du coup. C'est ça. Mais tu t'entendras parler en haché. Oui. Toi, Eric, t'as travaillé dans des environnements d'entreprises qui ont expérimenté ces modes de fonctionnement ou ça t'est très éloigné? Non, ça m'est très éloigné. Oui. Non. Non, j'ai travaillé dans des organisations bon, assez transversales, mais bon, non, rien à voir avec ça. D'ailleurs, dans ces organisations transversales, je me plaignais un peu du manque de décision. Je trouve ça un peu lourd, un peu comment. Il y a beaucoup d'inertie. En fait, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur et de process, beaucoup de cadre, beaucoup plus que dans un modèle classique où de toute façon, c'est le manager qui prend la décision. Ouais. On sait qui prend la décision. Et, oui. Et du coup, c'est des modèles qui sont plus chronophages en termes de construction. Hein. Oui, puis alors ça appelle des questions juridiques. Juridiquement, il faut que ce soit bien encadré aussi. Parce que où s'arrête la prise de décision de chaque personne, enfin, chaque poste, disons, ça, il faut bien le redéfinir. Hein. Ce n'est pas évident. Hein. C'est que les conséquences peuvent être importantes. Oui, c'est certain. Et je pense qu'il faut un cadre clair et des niveaux de prise de décision aussi en fonction du niveau de responsabilité associé. Mais ce que je trouve intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est que ne serait-ce que d'en parler, en fait, ça permet aussi d'aborder des questions... des questions là sur la table parce que dans beaucoup d'entreprises on n'en parle pas, ces questions là sont pas évoquées et puis c'est le chef qui prend les décisions et puis de toute façon ça a toujours été le chef. Oui, mais bon, quand il y a un chef que c'est bien défini, bon après c'est lui qui prend la décision, c'est lui qui assume, hein. Oui, mais je trouve que ça amène une dilution de responsabilité qui crée du désengagement. Parce que moi, je vois, et après, forcément, j'ai un biais parce que je rencontre des entreprises et puis on parle de situation parce qu'on m'a collé une étiquette sur la tête. Mais j'entends des situations mais d'enfantillage où on prend les gens pour des enfants de 5 ans, quoi. Et ça, j'en ai des situations comme ça. Ma femme travaille dans le monde hospitalier, mais franchement, c'est à tomber par terre, quoi. Je me pince parfois pour pas me dire, en fait, pour me dire, je suis dans la réalité là. Ça existe vraiment des situations comme ça, quoi, où il y a certains managers qui prennent leurs équipes pour des enfants, quoi. Alors que les gens, ils peuvent être cadres, diplômés, et non, pour autant, c'est le chef qui a raison, c'est le chef qui est décisionnaire, et du coup,
je trouve que dans le modèle d'entreprise, de pouvoir, une guerre d'ego, qui moi, à titre personnel, j'y m'y retrouve pas du tout, en fait. Ouais, non, c'est clair. Mais je pense que ça va changer avec les générations futures. Oui. J'espère. J'ai l'impression que ça change un peu au niveau du management. Oui, c'est ça, oui, déjà. Les générations. Déjà avec la vôtre, ça change parce que nous, quand on a commencé à travailler, on ne demandait pas combien d'heures on travaillait par semaine et combien on avait de vacances. Hein. Sinon, on n'aurait jamais eu un job. Alors que maintenant, c'est plutôt l'inverse d'après ce que j'ai compris. Ouais, il y a… un peu, mais… Non, mais je pense que vous n'exagérez pas, mais il y a un vrai sujet aujourd'hui où le sens que l'on a dans son travail n'est pas du tout le même qu'il y a quelques décennies, mais pas du tout le même. Oui, oui. L'aspiration derrière le travail n'est pas du tout ce que mes parents, mes grands-parents ont connu, et il y a un gap énorme. Ah, mais de toute façon, je m'en suis rendu compte. Hein, au début de ma carrière, je me serais défoncé et tout. À la fin, quand je vois comment on est remercié, c'est pas la peine. Hein. Et puis, travailler dans une entreprise, mais plus jamais. Hein. Moi, même si je gagne beaucoup moins en étant indépendant, là, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. J'ai eu l'impression de revivre. Hein. Et moi, c'est ce que j'ai envie à travers nos activités de faire vivre dans les entreprises. Qu'on ne soit pas obligé d'être indépendant pour vivre ça, en fait. Ce sentiment de flow, un peu d'accomplissement, de sentir quand même. Parce que je suis sûr que vous avez autant de contraintes qu'avant. Vous avez des clients et un client, ça met des contraintes. Mais en fait, vous pouvez vous organiser, vous pouvez travailler quand vous voulez, vous pouvez. Pourvu que l'objectif qui vous est demandé est atteint. Oui, tout à fait. Oui. Puis j'ai complètement changé de mode de travail. Au lieu de travailler 5 jours par semaine, de 8 heures à je ne sais pas quelle heure. sans exagérer non plus. Hein. Là, en fait, je travaille un peu tous les jours, 7 jours sur 7. Ah, même le week-end, du coup, vraiment, vous arrêtez jamais. Oui, je me le. Bon, voilà, oui. Je mets l'ordinateur, je traite ce qu'il y a, et puis voilà. Moi, je suis sur un rythme complètement différent. Moi, je crois beaucoup à des modèles d'entreprise qui vont favoriser ça. Mais même dans du salariat, pas obligé d'être en contrat indépendant. Oui. Et parce que je pense que majoritairement, et là, c'est une question de conviction, hein, plus on va permettre aux gens de s'investir, plus ils s'investissent. Ah là, on l'a perdu. Ah oui. Alors, on n'entend plus. C'est bon. Après, il y aura. Ça y est. Mais je crois que s'il y a aussi fondamentalement changé les choses, là, c'est le smartphone. Hein. Pauvre de moi. je suis d'accord avec vous. Hein. Vous m'entendez là? Ah oui, là, c'est bon, je suis en connexion nickel. Je suis revenu? Ouais. Oui. Il y a le smartphone, Eric, je suis 100% d'accord avec vous. La capacité de traitement d'un iPhone, donc le traitement de la donnée sur notre iPhone, c'est 11 fois plus que la fusée Apollo 11 qui a emmené des gens sur la Lune en l'espace de moins de 50 ans. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça amène des transformations mais très profondes dans notre société. On les vit actuellement et ce n'est pas évident de prendre de la distance, mais nous, on fait régulièrement des interventions sur l'impact du digital au sens large. Et en fait, c'est une vraie révolution, anthropologique. J'aime bien ce que tu dis, Serge. Oui, puis on mixe beaucoup plus vie privée et vie professionnelle. Mmh. Ah oui, il y a une hybridation du tout travail. Âge. Et c'est vrai. Ce que tu disais, Manon, tout à l'heure, en disant la génération va impulser des choses, en fait, je pense qu'il y a l'effet générationnel qui est une chose, mais en fait, on est tous touchés par à la fois les transformations digitales, quel que soit notre âge. Moi, j'ai ma grand-mère qui a 93 ans, qui a Facebook à 93 ans. Tout le monde est touché, avec peut-être une adoption plus rapide pour les jeunes générations, et encore que. Et puis, on est tous touchés aussi par les mutations écologiques et environnementales. Donc, en fait, on est tous concernés par ce qui se passe. Et il y a une génération en plus de ça qui pousse des comportements et des attentes nouvelles. Donc, ça donne
une complexité pour les entreprises et les organisations. Ah oui, c'est sûr. Qui, moi, me fait dire, bah, un système complexe, si on a une organisation rigide, ça ne marche pas. Mais je pense que les générations futures seront plus compliquées dans leur recherche d'emploi et tout, donc les entreprises vont peut-être être obligées de s'adapter au final. C'est alors plus, plus compliqué. C'est, je sais pas, je crois que je vous ai perdu là, non ? Non, oui, bon. Non. Non, sans d'accord, si on regarde par exemple une entreprise qui perd des parts de marché parce que ses clients n'achètent plus, mais demain une entreprise qui n'arrive plus à recruter, elle va mourir. Bah, oui, c'est ça. Donc, elle va devoir adapter son organisation pour attirer. Et c'est là où le marché du travail s'est un peu inversé, peut-être par rapport à ce que vous avez connu, Eric. Ça dépend quand même des métiers, ça dépend de la période aussi. Hein. J'aimerais pas être en recherche d'emploi en ce moment, hein, par exemple. Oui, non, c'est sûr. Oui, surtout dans des secteurs comme l'automobile ou l'aéronautique, à mon avis, vont ramasser quoi. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a déjà plein de métiers où on trouve pas de professionnels pour remplir les postes. Hein. Ça, c'est un réel problème. Et puis, je lisais un article hier ou avant-hier dans les Échos, je crois, où il disait que 80% des métiers de, je crois, 2030, il disait… N'existeront plus. Non, sont à inventer. Ouais, sont à inventer. Voilà, eux-mêmes. Quelque part. Donc, c'est quand même impressionnant parce que le laps de temps est quand même court hein, par rapport à ce qu'on a connu. Et pour moi, il y a un enjeu très fort pour l'entreprise. Du coup, c'est de devenir des entreprises apprenantes et de donner l'autonomie nécessaire à chacun de ces individus pour qu'il y ait aussi de l'auto-formation et une capacité de devenir des compétences un peu plus couteau suisse que monotâche ou que monocompétence. Et là, c'est pareil, il y a un enjeu d'engagement, il y a un enjeu de valoriser les compétences qui me semble être un point qui est hyper important et qui s'inscrit aussi dans les dynamiques que nous, on porte, en tout cas qu'on essaye de porter. Ouais. D'un autre côté, des spécialistes, des vrais spécialistes, il en faut, et ça manque de plus en plus, je trouve. Ouais, notamment dans les métiers industriels. Bah oui, quand je vois des boîtes comme Renault, PSA, les gens qui changent tous les 2-3 ans de poste, mais on a affaire qu'à des baltringues. Là. Putain, c'est insupportable. Et puis tous les 2-3 ans, il faut répéter la même chose au successeur. Ouais, il y a une perte de savoir en fait, c'est ça, hein, à travers tout ça. Ah bah oui, puis un manque de technicité, enfin de compétences, bon, je dirais. Bon, ok. Bah écoutez, voilà. Moi je suis un petit peu contraint là. Faudrait que. Bah, pas de souci, c'est déjà chouette qu'on ait pu passer presque 45 minutes ensemble. Ouais. Merci, c'était très agréable comme conversation. Eh ben, écoute, moi de même, hein, c'était intéressant comme expérience, je ne m'attendais pas à ça. Mais... Moi non plus, Eric. Bah oui, ça moi peut... non plus. Hein. Oh non, ça va pour toi. En soi, j'aurais fait autre chose, mais je suis content d'avoir partagé. J'aime bien partager, donc... Chaque expérience est bonne à prendre, même quand elle ne correspond pas à celle qu'on attendait. Oui, non, c'est sûr. Bah, tant mieux, si t'es pas déçu, Eric, j'espère que ça a été aussi. Non. Oui, très bien. C'est bah, très bien. Un moment de réflexion supplémentaire, c'est bien. Parfait. Ok, bah, merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. Oui, bonne soirée. Et puis bah bon, retour en France, peut-être un de ces quatre. Ouais, peut-être, voilà. Ok. Bonne continuation. Bonne soirée. Okay, au revoir. De même.